Bonjour les triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie comme on les aime. Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous, 5 sur 5, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Alors, super, il y a déjà les 5-5 qui arrivent, magnifique. Quelle réaction, quelle réactivité, c'est fantastique. Alors je vois qu'il y a pas mal de monde. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Adeline, bonjour Jocelyne. Alors bonjour les triconautes, prêtes pour cette radio tricot in English please. Et pouce bleu mi, comment allez-vous? Passez une bonne semaine, Jainel et Matou. Merci Valérie. Adeline, bonjour les triconautes, Bonnie. Matou et toutes les triconautes, je viens de voir boire un café avec Vivi et Jainel. Trop bien, merci. Yes, on va en parler justement. Merci Adeline, je suis contente que ça t'ait plu. Rita, bonjour, bonjour Jainel. Il fait beau, soleil brille, mais pas chaud, 2 degrés, ça prend sa petite laine. C'est vrai que il fait encore, le fond de l'air est frais, mais c'est agréable. On commence à avoir du soleil, ici grand ciel bleu, soleil magnifique. Il fait encore un peu frais, mais c'est très agréable. Alors, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Julie, Valérie, comme je disais, Dolo, Mélanie, Jacqueline, Annie, Mauricette, Jocelyne, Marie-Thérèse, bonjour, bonjour, Clara, Micheline, Nanou, Karine, Gwen, Guy, Guylaine. En fait, vu que je lis Guy, G-I-S, je lis Guy, et j'ai... Ah non, c'est Guylaine. Marlène, coucou. Charlie, salut, Catherine, coucou, Simone, bien bonjour, Angélique, salut, Roselyne, salut, Marie-Christine, coucou, Maud, toujours au rendez-vous, Stéphanie, salut, 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 Rita, Charlie, Carole, Julie qui est là aussi, Hélène, bonjour, bonjour tout le monde. Ah, mais il y a Guylaine aussi, coucou, enfin il y a plusieurs Guylaine, mais il y a The Guylaine qui aime les Vikings peu vêtus, n'est-ce pas? Bonjour Pluvieux du Bas-Laurent, bonjour le Québec, vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Allô à tout le Québec. Bonjour, c'est Germaine de l'île de la Réunion, bonjour Germaine de l'île de la Réunion. Bien, c'est super, on est déjà 182, c'est énorme, oui. Et là, on vient de même, je viens de voir 203, c'est assez énorme, donc on va monter tranquillement. Le temps que tout le monde arrive, n'est-ce pas? On va commencer notre petite intro. Ben déjà, comment est-ce que vous allez? Dites-moi dans le chat, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oups. Pardon, fausse manip. Excusez-moi. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Alors, dites-moi dans le chat, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Ah, c'est chaud! C'est chaud. Près de Toulouse, grand soleil aussi, mais un vent frais. Pouce bleu check. Alors si pouce bleu check. Et je Jainel, tricot en anglais, une découverte pour moi, beau sujet. Oui, on va avoir pas mal de choses à voir à ce sujet-là. On a beaucoup de vocabulaire à voir. Ça va être génial. Très bonne semaine, je termine mes vacances. Merveilleuse semaine, et vous? Eh bien écoute Alice, super semaine. Comme dit Adeline, un bon labo créatif dans la semaine. Grosse semaine avec beaucoup de rendez-vous pour moi et Matou, mais beaucoup de cafés tricots aussi qui ont été tournés dans la semaine. Donc des nouveaux cafés tricots qui arriveront bientôt, j'ai hâte de vous les montrer. Et écoutez, super bonne semaine sinon, ça fait plaisir. Là avec Matou, on commence à regarder un petit peu pour des maisons de vacances en Lozère. On aimerait bien partir un petit peu cet été. Ça pourrait faire du bien et ça changerait l'air. La semaine a été très difficile et j'attendais la radio tricot avec impatience. Alors c'est ML, Marie-Laure certainement, ou Marie-Laurence ou Marie quelque chose. Tu es la bienvenue, Marie-Louise peut-être aussi. Tu es au bon endroit si tu as besoin d'énergie, de bienveillance, de bisous et de bonne humeur. Tu es au bon endroit. Très bien, en congé pour une semaine depuis vendredi soir. Oh yes, quelle chance! Très bien, je finis un pull en mohair. J'ai de nombreux patrons en anglais en attente. Pom 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 pom. Oui, pom pom. J'ai fait exprès de faire lo pom 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 pom. Mais c'est pom pom, le magazine pom pom, qui est un magazine en anglais avec beaucoup, 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 beaucoup de modèles en anglais. Très très beau d'ailleurs, souvent.
Très bonne semaine, merci. Et toi, Jaénel, j'ai beaucoup appris grâce à toi, merci. Merci, Sarah, c'est gentil. Préparer le crayon et le bloc-notes. Oh oui, préparer le crayon et le bloc-notes. Mais dans tous les cas, si j'ai l'intention de faire pas mal de notes dans cette radio, et je pense que je mettrai de toute façon le lien vers les notes qui seront prises dans la description, comme d'habitude, dans le commentaire, pas dans la description, dans le commentaire épinglé. Je mettrai le lien vers les notes que j'ai prises, et comme ça, vous pourrez les télécharger. Ça sera plus facile pour vous. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Instagram avec Vivi, Yannick. Justement, on va en parler, ouais, c'était cool. D'ailleurs, j'aimerais adapter le diamant en taille 8 ans. L'un de vous l'aurait-elle fait ? Je ne crois pas avoir vu un diamant pour enfant. J'ai vu un diamant en version homme, mais je ne crois pas avoir vu de diamant version enfant. Où se trouve le fameux pouce bleu, s'il vous plaît ? Il se trouve sous la vidéo, normalement. C'est Pascal. Fin de vacances pour moi aussi. Ça veut dire moins de tricot la semaine prochaine. Ça va pas trop mal, j'ai terminé une écharpe. Tant mieux. Très bien, j'ai fait ma première paire de chaussettes. Cool, ça c'est cool. C'est génial, merci pour les notes. Il y a deux ou trois versions enfants, il me semble. Et je suis pas sûre, moi je les ai pas vues passer, mais Julie, je te fais confiance si tu me dis qu'il y en a. En effet, il faut aller voir sur le Discord et il faut poser la question. Si, si, il me semble qu'il y a une version enfant sur le Discord. Bon, ben voilà, Sand affirme aussi, donc ça fait deux personnes, donc je pense que c'est fort probable que sur le Discord, il y a en effet une version enfant qui a été réalisée. Ok, on va commencer tout doucement notre petite intro, comme d'habitude, n'est-ce pas, pour se mettre en jambes. Alors, ben déjà, je vais commencer avec la bonne nouvelle du jour, n'est-ce pas, pour celles et ceux qui étaient levés à 10h ce matin. Donc on a fait un petit, c'est Vivi, Virginie de Un Amour de Laine qui m'a interviewée ce matin dans son café, donc dans son live Instagram avec Bois un café chez Vivi, et je suis passée du coup chez elle, elle m'a gentiment invitée, c'est très gentil de sa part, et on a papoté un bon moment, on a papoté 2 heures quand même, on a papoté 2 heures ensemble et c'était cool, j'ai pas vu le temps passer et je vous... Ça vous a permis apparemment de découvrir un petit peu les coulisses apparemment des Triconautes un petit peu. Je vous parle un peu des coulisses. On entend Matou parler à plusieurs reprises. Je parle de sujets un peu plus perso aussi. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de parler de sujets plus personnels, mais c'est vrai que ça m'a permis de vous parler de sujets plus personnels. Et voilà, donc découvrir les coulisses, beaucoup d'émotions. Et ça m'a fait plaisir en tout cas de vous retrouver ce matin. Alors, je suis une nouvelle abonnée, vos explications sont super claires, dit Fouzia. Eh bien, Fouzia, bienvenue à toi. Et merci. Ah, merci, j'irai chercher sur le Discord. Merci, Jaénel et Tricopine. J'ai entamé cette semaine un petit pull pour mon petit-fils Joachim. Cool, c'est cool ça, Simone. Oui, très bien ce petit live ce matin. Je sais qu'il y a une personne qui avait demandé si on pouvait le faire en enfant, les Trigonautes. Je me souviens pas, je reçois tellement de messages, je me souviens pas de tout, mais c'est possible, c'est bien possible. Peut-on voir ça en replay ? Oui, bien sûr Martine, tu le trouveras sur l'Instagram de Un Amour de Laine. Il y a des petites icônes, dont une avec une en forme de télé. Et même c'est sur son Instagram directement, donc sur l'Instagram directement tu pourras voir... Un Amour de Laine, il faut aller sur l'Instagram de Un Amour de Laine et tu trouveras en tout premier, normalement, l'interview de ce matin. Oui, et cette interview avec Viviane, c'était super, même si j'ai dû m'éclipser. Il me semble que c'est Virginie et pas Viviane. Mais merci, merci Lydie. C'est Cyrielle Ducièze qui a fait un diamant pour sa fille en marron clair, très joli. Ah yes, merci, merci Julie de l'info. Ça aidera celle que ça intéresse à retrouver l'info. C'était top ce matin, on avait l'impression d'être invités, nous aussi, c'était très agréable. Ouais, bah c'est cool. En plus, c'est vrai que j'aime bien, moi, les directs, parce que comme ça, en échange, je vois un petit peu ce que vous dites au fur et à mesure, et ça me permet de rebondir sur certaines de vos réflexions, donc c'est cool. Ouais, Matou a mis le lien, là. Il a mis le lien direct pour voir l'interview par Un Amour de Laine. J'ai écouté le live ce matin, c'était super intéressant, merci pour ce moment agréable. Merci, c'est Coraline, que je ne me confonde pas avec Caroline. Vous m'avez conforté dans mes connaissances en tricot, je ne tricote pas depuis des ans, mais vous me redonnez l'envie. Bah écoute, Fouzia, c'est tant mieux. Ok.
Donc ça, c'est pour la petite info du matin, n'est-ce pas? La petite surprise du matin, Vivi tient à ce que ça soit secret jusqu'au dernier moment. Donc du coup, dès que j'ai pu vous en parler, j'ai tout envoyé, j'ai tout envoyé sur les réseaux, les petits messages. Donc c'est cool. Ok, donc ça c'était boire un café avec notre Vivi nationale. Ensuite, on a le Café Tricot, bien sûr, le nôtre de Café Tricot qui est sorti ce samedi à 18h, et un Café Tricot extrêmement intéressant parce que j'ai pu parler avec Minimalist Knitting, qui est une adorable tricoteuse qui fait en fait du tricot, on va dire, minimaliste, mais on va dire plus du tricot conscient, où elle va faire attention en fait à la quantité de laine qu'elle va utiliser. Elle va faire attention aussi à utiliser les pelotes, à faire attention à ne pas trop consommer de laine, et surtout à essayer de vider son stash de manière générale, en essayant d'éviter d'acheter de nouvelles pelotes quand c'est pas forcément utile. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, surtout qu'elle nous a parlé de la méthode 333 que je ne connaissais pas, qui est une méthode pour faire un petit peu le tri, que ça soit dans ses vêtements, mais elle l'a appliqué, elle, dans les pelotes, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je suis ravie d'avoir pu la voir en Café Tricot. Et apparemment, ça vous a bien plu également, donc je suis contente. Ok. Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Alors, j'allais dire Bergy Bergamote, mais c'est Bergy Brégotte, excuse-moi. bonjour, comment rejoindre le Discord? Bergy, Matou va mettre, si tu peux Matou, mettre un lien vers le Discord pour pouvoir rejoindre le Discord des Triconautes. C'est 100% gratuit, il suffit de cliquer sur le lien, créer un compte, et voilà. Et toi, comment vas-tu, Jaénel? Je vais bien, Valérie, merci beaucoup. Il était super ce Café Tricot, yes! Matou a rebondi très justement sur plusieurs sujets ce matin. Matou est très intéressant à écouter. Matou ne fait pas que la technique, Matou réfléchit beaucoup également. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir qu'il puisse s'exprimer également ce matin. Je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit ça m'a fait super plaisir que tu partages à plusieurs moments, que tu viennes et que tu interviennes quand t'en ressentais le besoin, c'était cool. Ok. Ensuite, autre info, alors là ça va être pour les triconautes qui ont pris la formation finition parfaite. Pour les triconautes qui ont pris la formation finition parfaite, petite information, il y a une nouvelle vidéo que j'ai mis dans la formation finition parfaite et que vous pourrez retrouver directement dans votre espace élève. C'est la formation pour assembler un pull en bottom-up. Donc je montre comment c'est fait, un pull en bottom-up, et je montre du coup comment faire pour l'assembler à ce moment-là. Je parle également de quelle couture je vais utiliser pour l'assembler. Donc je suis contente de pouvoir vous dire que c'est une nouvelle vidéo qui vient augmenter la quantité de cette formation qui est déjà assez importante. Mais petit à petit, du coup, je pense que je vais continuer à l'augmenter avec de nouvelles finitions au fur et à mesure que je l'ai fait. Et comme ça permettra d'avoir une formation qui est bien complète. Voilà, donc ça c'est nouveau, c'est... Alors oui, il y a en effet une petite erreur dans la formation, je dis pull en top-down, et c'est bien pull en bottom-up, donc c'est une... J'ai fourché, ma langue a fourché, donc c'est bien d'un pull en bottom-up qu'il s'agit, et non pas d'un pull en top-down. Alors, je finis une couverture en entrelacs. C'est amusant à tricoter et ça change. C'est vrai que les entrelacs, c'est pas une technique qui est très connue et ça permet de faire des choses qui changent un petit peu de temps en temps. Alors, bonjour à tous de Grenoble, bonjour Grenoble. Julie qui dit c'était super de l'entendre Matou ce matin. Il avait un petit peu la chat ce matin Matou. Bravo, car c'est difficile de ne pas être tenté à l'achat avec toutes les beautés, les laines, les patrons. Justement, on en parle dans le Café Tricot avec Anna, du coup, c'est le nom, c'est son nom, c'est avec Anna, on en parle. Matou, l'homme de l'ombre, c'est ça, c'est tout à fait ça. Matou, c'est l'homme de l'ombre. Jaénel, tu as toujours la pêche, que fais-tu? Bonne question. Qu'est-ce que je fais de particulier? Je fais rien de particulier. Je pense que je suis juste comme ça.
Super génial. Ah super, je me posais la question, merci, avec plaisir. Merci pour ce compliment, tu as une culture du tricot incroyable. Bah écoute, je lis beaucoup, j'ai beaucoup lu et je continue à lire beaucoup. Jaënelle boit beaucoup de tisane. Oui, ça va, c'est de l'eau aromatisée, donc c'est bon, je peux boire beaucoup de tisane. Ah, c'est peut-être ça, t'as raison. T'as raison, Catherine, c'est peut-être ça qui me donne la pêche. Ça doit être la tisane. Ok, donc ça c'est pour les infos, donc sur l'ajout de la formation finition parfaite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Oui, on continue à envoyer les mails privés. Donc les mails privés, je suis contente de savoir que ça vous plaît autant. J'ai eu beaucoup de réponses sur le mail de ce matin et ça me fait plaisir. Je vais essayer de répondre à un maximum de mails, mais comme je vous ai dit, c'est de plus en plus difficile de vous répondre, mais j'essaie de répondre à un maximum de mails. En plus, donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits ou inscrites aux mails privés, donc les mails privés, qu'est-ce que c'est? C'est 2 mails par semaine, à peu près, hein, en moyenne. Sauf durant les périodes où je propose des formations pour vous dire que les formations existent. Alors, il y a en général 2 mails par semaine. Le mail avec la minute la minute tricot, donc c'est 1 mail le mercredi, avec tout le rappel des vidéos qui sont sorties durant la semaine, les articles de la semaine qui sont sortis, une astuce tricot au moins dedans, et parfois je vous mets aussi des modèles de tricot gratuits. Pas tout le temps, mais de temps en temps, je vous en mets et apparemment, ça vous plaît bien. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bien sûr, le dimanche, il y a la petite réflexion du dimanche avec le mail du dimanche, où là, je me laisse un petit peu plus aller. C'est plus un mail personnel, en fait, que j'envoie avec une réflexion autour du tricot, sur la pratique du tricot. Et apparemment, ça vous a bien plu ce matin. J'ai fait un long mail sur le tricot, l'échec, est-ce qu'il faut tricoter des beaux pulls ou des beaux ouvrages forcément ou pas, pour progresser. En tous les cas, apparemment ça vous a bien plu et je suis contente toujours d'avoir vos retours, ça me permet de savoir que ça vous plaît, tout simplement. J'ai fait Briseis en coton, ça doit rendre super bien Valérie, envoie-moi une photo, je serais super curieuse de le voir. Bonjour tout le monde, j'ai failli louper la radio. Ce matin, j'ai pas pu t'écouter sur Insta, mauvaise bande passante. Pas de souci, Frédéric, de toute façon, Vivi a mis ça en replay. Donc pour celles et ceux qui auraient raté l'interview de ce matin avec Un amour de laine, donc Vivi, bois un café avec Vivi, le replay est directement sur son Instagram, comme je l'ai dit. Et du vin blanc, dit Corinne. Non, le vin blanc quand même, étant donné que c'est de l'alcool, j'en bois beaucoup plus rarement que de la tisane. Je suis raisonnable. Peut-être la jeunesse donne la forme. Bonjour à tous. Bonjour Sylvie. Je n'aime pas trop dire que c'est une question de jeunesse parce que j'ai vu des personnes qui étaient plus âgées que moi et qui avaient vraiment une patate d'enfer. Donc vraiment, je crois pas vraiment à la jeunesse donne la forme. Je crois plus en fait à la mentalité. Pour vous donner un exemple, il y avait, parce que elle n'est plus là, mais il y avait une grand-mère que je connaissais qui était dans un petit village de Lozère. Et cette grand-mère, il faut savoir qu'elle parcourait la Lozère dans tous les sens, à pied, et elle faisait des kilomètres à pied. Elle allait cueillir ses pommes, elle allait faisait son jardin, et elle avait un jardin assez important. Et franchement, j'ai toujours été fascinée par cette grand-mère qui, à l'âge de plus de 80 ans, 90 ans, arpentait la Lozère et les chemins plus ou moins tortueux de Lozère à pied et seule en plus. Et elle faisait ça comme ça. Elle disait « Oh ben, je me balade, j'ai fait X kilomètres, ça va bien. » Elle était adorable. Donc je crois pas vraiment à la jeunesse, à l'idée jeunesse / vieillesse. Je crois plus en la mentalité, en fait. Je pense que tout est une question de mentalité. En tout cas, j'aime le voir comme ça. Oui, super le mail de ce matin. Je reçois régulièrement tes astuces et des conseils, merci beaucoup. Oui, je me suis entièrement retrouvée dedans. Bah écoute Adeline, je suis contente que ça fait écho en toi, en tout cas. Oui, génial ce mail. J'ai bien aimé ton entretien avec Anna et le gars qui tricote. Ah, c'est vrai que j'ai fait le gars qui tricote aussi, c'était cool. C'était cool son entretien avec lui aussi.
Oui, merci Matou. Matou me le rappelle. C'est vrai, pour celles et ceux qui ont suivi le labo créatif de vendredi, donc le labo créatif « Je crée mon pull à partir d'une photo », on a ajouté avec Matou des vidéos pour répondre à des questions, donc des questions que un triconaute nous avait posées et d'autres triconautes aussi nous avaient posées par rapport au replay du premier épisode de Labo Créatif. Et vous pouvez retrouver du coup les questions et les réponses en vidéo sur votre espace élève directement. Donc du coup, vous pouvez avoir accès aux réponses que j'ai faites en vidéo. Étape par étape, donc ça c'est cool aussi. Donc ça c'est une sorte de FAQ un petit peu qu'on a fait en vidéo et apparemment ça vous a bien plu également. Donc pour celles et ceux qui ont suivi le labo, pareil, vous pourrez le retrouver dans votre espace élève. Tant qu'on a des projets, on est jeune. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi Janelle, tout est dans la tête, penser, parler, agir positif avec amour et bienveillance. Tout à fait. Waouh, sacrée grand-mère, oui. Moi, j'ai un ado et il est tout mou. C'est un peu... C'est normal, c'est l'âge, ça va passer. Marcher en loser ou tricoter, il faut choisir. Le travail garde la forme. La sœur de ma grand-mère est montée sur le toit de sa cuisine pour nettoyer des feuilles. Elle avait 90 ans. Je sais pas si je l'aurais grondée parce que j'aurais eu tellement peur. Je pense qu'elle se fasse mal. En plus, avec les feuilles et tout, ça glisse. Enfin, bref. Mais oui, c'est une super mentalité quand même. J'ai vu les ajouts parfaits comme d'habitude. Yes, cool. Bonjour, je suis très assidue et je bois vos paroles. Je suis devenue accro au risque de lâcher mon job. Vous êtes mon âme sœur, je progresse à toute allure. Merci beaucoup. Merci Chantal, ça me fait super plaisir de savoir que les triconautes te plaisent autant. Tu peux marcher en tricotant, c'est vrai. Matou a raison, on peut marcher en tricotant. Elle, quand même, elle marchait pas en tricotant sur les routes de Lozère, mais elle en était pas loin à mon avis. C'est quoi l'espace élève sur le site ou le Discord? Ce sont deux choses différentes, Nanou. Il y a le Discord, où là c'est une sorte de forum, un petit peu. C'est notre forum, le forum des triconautes en gros. Et après il y a l'espace élève pour les triconautes qui ont pris des formations. Donc par exemple la formation Finition Parfaite ou le Labo Créatif. Et c'est là où elle retrouve toutes les vidéos, tous les guides, tous les téléchargements des formations. Donc ce sont deux choses différentes, attention. Matou, est-ce que tu peux mettre le lien vers l'espace élève? En fait, c'est très simple, vous devez juste rentrer, Matou va mettre le lien, il vous reste juste à rentrer votre mail et votre mot de passe, et vous cliquez sur « se connecter », vous rentrez le mail, le mot de passe, et comme ça, vous avez accès à l'espace élève directement. Tu travailles vraiment fort, c'est impressionnant. On essaie de faire ce qu'on peut, Anne. En tout cas, on le fait avec... comment dire? On fait du mieux qu'on peut. Ok, bon, alors ça c'est pour... Merci Matou pour l'espace élève, pour la FAQ du labo créatif. Ensuite, il y a les articles. Les articles de la semaine. Articles de la semaine, donc je continue à réécrire les articles. Et là, du coup, on a sorti... plusieurs articles, mais les trois principaux que j'ai réécrits, c'est « Faut-il tricoter la première maille ou pas ?»« Tricot, crochet, quelle différence entre les deux ?» et « Apprendre le tricot, des raisons pour lesquelles tu devrais commencer. » Donc ce sont des articles qui ont été retravaillés, refondus, complétés, et apparemment ils commencent à bien vous plaire parce qu'il y a déjà des personnes qui découvrent les triconautes grâce à ces articles, et ça c'est cool. Je me resserre en tisane, hein, parce que j'ai déjà fini, n'est-ce pas? Je commence à avoir une descente assez incroyable en tisane. Alors, ça c'est pour... les articles. Ensuite, les deux vidéos de la semaine, comme d'habitude, les deux vidéos. On a eu trois techniques pour corriger son tricot. Je vous parle de la ligne de vie, ce fameux élément dont je parle à chaque fois et qui change la vie quand vous tricotez des points un petit peu compliqués. Et quatre techniques pour réussir un jeté. Donc ça, ce sont les deux vidéos de la semaine avec Matou. Avec Matou, je pense qu'on va
reprendre les vidéos parce qu'on a fait une petite pause. Et je pense qu'on va reprendre les tournages tout bientôt, certainement semaine prochaine. Je ne l'ai pas vu, les articles, qui y a accès? Lydie, tout le monde y a accès, il suffit pour cela d'aller sur www.letriconautes.com/blog. Et là, tu trouveras tous mes articles. Je crois qu'on n'en est plus à... Je sais même plus à combien on en est, tellement il y en a. Je sais même plus à combien on en est. Alors... Merci pour vos vidéos, vous êtes génial, je progresse de jour en jour grâce à vous. Merci Vanessa. Ma patronne a 82 ans, elle travaille encore tous les jours dans les 4 magasins et elle coud encore tous les jours. Mais ça me fascine. Je pense qu'en fait, les personnes qui continuent à travailler comme ça, d'une certaine façon, en fait, ça leur donne en fait de l'énergie en fait. Ton pichet est prêt, il y en aura assez de la tisane. Oui, le pichet est là. Enfin, c'est la théière, elle est là. C'est bon, je pense que j'en aurai assez. J'ai de quoi tenir, je pense, la radio tranquille. Ouh, le chat dans la gorge. Alors Martine, petite question technique. Y a-t-il un calcul à faire pour savoir combien de mailles il faut monter aux emmanchures et sur les manches pour un pull circulaire, s'il vous plaît? Oui, il y a beaucoup de calculs à faire, Martine, et ça, je les explique dans mes formations. Dans mes formations, par exemple, mon pull à la carte, édition aiguille circulaire. Tu feras des échantillons un peu plus grands. Ça sera pas des points. Ça sera pas des points, Guylaine, mais... Enfin, je pense pas que ça soit des points. Et puis, s'il y a des points, j'essaierai de faire des échantillons un peu plus grands. Je deviens totalement addict, toutes les vidéos m'intéressent et m'apprennent des choses. Ben, c'est cool ça, Anne, vraiment c'est le but. Ok. Alors, de quoi... Qu'est-ce qui me manque? Le cal diamant, j'ai failli oublier, bien sûr. Le cal diamant qui continue. Le cal diamant qui continue avec tous les mercredis, bien sûr, à 18h pour qu'on tricote ensemble le cal diamant et on va voir ensemble les différentes photos qu'on a reçues des cal diamants. Regardez-moi ces jolies bouteilles. Alors, le joli pull de Cyrielle qui l'a fait en une sorte de crème écrue, très très joli. Elle a fait le point de gris un peu plus haut sur les manches et je trouve que ça rend très bien. On a aussi Catherine qui l'a fait avec une couleur un peu plus marron glacé, on va dire, et ça rend aussi extrêmement bien. Bravo à toutes les deux. On a eu aussi le pull de Damien qui est un triconaute et qui l'a fait du coup en version masculine. J'adore le rendu que tu as fait avec ce petit V comme ça au niveau du point de gris. Je trouve que ça rend super bien. Donc bravo Damien, ça rend vraiment bien. Plus le fait que lui, en tant qu'homme, du coup, il a enlevé les jetés. Et ça rend très bien aussi comme cela. Donc bravo Damien. Il me semble que tu as dit que c'était légèrement trop petit pour toi. J'espère soit que le lavage a permis de l'agrandir un petit peu, soit que tu as trouvé une autre alternative. Donc ça c'est pour Damien. Ensuite on a reçu également le pull de Lina, il est de La Réunion et qui l'a fait en bleu magnifique, comme la mère de La Réunion, n'est-ce pas? Et aussi on a reçu le très joli cal de Nadine en violet, vraiment très très beau. Vraiment très très beau. Et enfin, on en a reçu pas mal, hein, je vous dis, on en a reçu pléthore. Et on a reçu également les diamants de Julie et Marie. Donc Julie qui l'a fait une sorte de rouge rosé très très joli, ça lui va très bien. Et enfin Marie qui l'a fait avec une belle laine couleur lavande et ça rend bien également. Donc bravo, bravo à toutes celles et ceux qui nous ont envoyé vos diamants. Et comme d'habitude... Pour les diamants, si vous avez fini votre diamant, votre pull diamant, envoyez-le moi à hello@letriconautes.com par mail. Ça nous permettra du coup de faire la radio tricot avec tous vos diamants. Alors, je prends le chat rapidement. Je découvre les triconautes, c'est super dynamique. Merci à vous, ça donne envie de s'y remettre. Alors merci. Yes, cool Lydia. Eh bien, bienvenue à toi en tout cas. J'en suis où, me demande Valérie, où est-ce que tu en es, JNL? Alors, j'ai fait la manche quand j'étais avec Vivi ce matin, j'ai tricoté un petit peu de la manche, et je suis, je pense, à un cinquième de la manche.
je pense. Donc j'ai encore pas mal à faire. Première fois connectée, bienvenue Georgette, bienvenue à toi. Ils sont trop chouettes ces pulls, on est d'accord, ils rendent super bien. Magnifique la version homme, vraiment j'adore cette couleur anis que t'as choisi, c'est Damien. J'adore cette couleur que t'as choisi, ça rend super bien. Peut-on commencer le calme maintenant avec les vidéos? Oui, bien sûr, Zina. Tu peux commencer le calme maintenant et de toute façon, le modèle reste disponible gratuitement, même si le calme se termine. Joli les pulls bleus et mauves, j'adore. On adore également. Regarde, Matou qui dit bleu et violet, il est super content. Lui, il adore, il trouve ça super beau. J'ai les deux formations aiguille droite et circulaire expert. Est-ce que les tickets labos, j'aurais pu... Normalement, les labos, c'est quand même plus pour les triconautes qui ont les formations. Donc, les formations, par exemple, soit une formation mon pull à la carte édition aiguille droite, soit mon pull à la carte édition aiguille circulaire. Waouh, très belles ces versions. Merci, Anne. Peut-on faire le pull diamant en gilet? Je crois... qu'il y a, alors je sais pas si elle a réussi, mais je sais qu'il y a Jess qui s'interrogeait sur la possibilité de le faire en gilet, et je pense que c'est possible de le faire en gilet, il faut juste faire quelques petits ajustements à mon avis. Damien, très bien, j'espère que tu pourras le porter. J'ai pas vu mon pull. Ah, ça dépend, tu l'as envoyé quand Valérie? Parce qu'on reçoit beaucoup de photos et on essaie de les envoyer au fur et à mesure. Je viens de réunir le devant et le dos, cool. On reconnaîtra les triconautes tous en diamant. Yes, ça va être trop cool ça. Je suis contente, j'ai vu mon pull. J'aime tellement ça, le voir le résultat de tout le monde. Waouh, merci à toutes. Y aura-t-il quelque part une galerie avec tous les modèles tricotés? Ça serait cool. Bon, ok, gros travail en plus. Alors Anne, par contre, ce qu'on aime bien faire avec Matou, c'est mettre les photos des pulls diamants dans le modèle. Donc, c'est-à-dire une fois que le cal est terminé, on ferme les envois de vidéos, de photos, pardon. Et en fait, Matou, après, les met sur le modèle. Comme on l'a fait avec le modèle Swaggy, par exemple. Le modèle Swaggy, on voit plusieurs photos avec les réalisations des différentes triconautes. Et je pense qu'on fera la même chose avec le pull diamant. Et puis sinon, Anne, il y a aussi le Discord, où on voit beaucoup, les créations. Alors, j'adore la version masculine. Ouais, elle rend super bien. La semaine dernière, tu l'as envoyée? Alors, c'est possible qu'on ne l'ait pas choisi. Parce que là, tu as vu, il y avait déjà beaucoup de diamants. Mais je pense que cette semaine... Ah bah alors, c'est pour ça. Cette semaine, c'est qu'il apparaîtra la semaine prochaine, Valérie. T'inquiète pas. Comme j'ai dit, on reçoit beaucoup, beaucoup de photos. Mais t'inquiète pas, c'est sûr qu'il passera la semaine prochaine. Ok. Ok, donc tout ça, c'était l'intro. Bigre, je pense que j'ai drôlement parlé, encore une fois. Mais c'est pas grave, vous aimez mes intros. Je pense que vous aimez mes intros. Donc on va commencer, parce qu'on a pas mal de pain sur la planche. On a pas mal de pain sur la planche avec beaucoup de choses à voir. Alors, on va commencer tout de suite, on va commencer notre radio sur l'anglais. Donc déjà, pourquoi tricoter en anglais? Pourquoi c'est intéressant en soi de tricoter en anglais? Et en fait, il y a plusieurs raisons à cela. Voilà, donc pourquoi tricoter en anglais? En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est intéressant de tricoter en anglais. En fait, il faut savoir déjà qu'il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles uniquement en anglais. Sur Ravelry, c'est plus de 610 modèles en anglais contre 35 000 en français. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de modèles en anglais et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins en français. On a aussi des explications qui sont quand même plus simples. En fait, il faut savoir que sur les modèles de tricot en anglais, les explications sont souvent plus codées, plus rapides et plus efficaces à lire. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui tricotent en anglais, vous me le direz dans le chat, mais pour celles et ceux qui tricotent en anglais, vous pourrez remarquer que c'est bien plus facile de lire souvent un modèle en anglais que de le lire en français. Parce qu'en français, il y a beaucoup, beaucoup de verbiage, alors qu'en anglais, en quelques coups d'œil, on repère les...
on repère les abréviations et on sait, ah ok, ça c'est ça, et ça du coup c'est ça, donc en fait c'est beaucoup plus facile à lire, et c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus aéré, ça prend beaucoup moins de place aussi à l'écrit, donc c'est bien plus agréable en soi à suivre. Et en plus, comme je disais, l'anglais réduit le nombre de pages. Il faut savoir qu'en anglais, vous pouvez avoir un modèle qui fait une page, et en français, ce modèle, il fera deux ou trois pages, parce qu'en fait, y a tellement de mots auxquels on ne peut pas donner d'abréviation correcte en français, qu'en fait, ça va être très verbeux, comme on dit. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots très, très longs, ce qui fait que ça va agrandir la quantité de pages à imprimer, la quantité de pages à lire, la quantité de pages à suivre, alors qu'en anglais, ça tient sur une page, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à tricoter en anglais. Alors, on va commencer tout de suite, je ne vais pas m'étaler plus sur les avantages et les inconvénients, mais on va partir de suite. On va partir de suite sur les éléments auxquels il faut faire attention. Alors, voilà, donc les conseils pour se lancer, donc les éléments auxquels il faut faire attention, quels sont-ils, n'est-ce pas ? Alors, je vais prendre la tablette et on va voir ça ensemble. Alors déjà, en anglais, il faut savoir qu'on utilise deux termes pour dire le mot tricoter. On utilise deux termes différents. On va utiliser les termes knit, donc ça se dit pas knit, ça se dit knit. On ne dit pas le K, donc c'est un K silencieux. Et en fait, il va y avoir une abréviation avec juste un petit K, qui va signifier du coup tricoter à l'endroit, et on va avoir le terme purl qui signifie tricoter à l'envers. Donc ces deux termes, knit and purl, ce sont ces deux termes-là qu'on va utiliser pour tricoter à l'endroit, knit, et tricoter à l'envers, purl. Donc voilà, juste pour vous dire déjà, en deux termes, pour dire tricoter à l'endroit, ça fait trois mots, et eux, les Anglais, ils ont un mot, knit. Voilà. Just knit. Oui, plus simple à suivre, c'est plutôt photographique. C'est vrai, c'est assez photographique comme langue. Merci JNL pour ta vidéo sur l'utilisation de Ravelry. La recherche est devenue passionnante pour moi. Ben c'est cool Elisabeth, merci. Je suis contente que ça t'ait plu. Tout à fait, et l'anglais évite aussi les problèmes d'interprétation du patron, je trouve. C'est vrai Babou, t'as raison. Je trouve que l'anglais permet aussi de clarifier un petit peu plus certaines explications qui peuvent être un peu obscures en français. Et il suffit de lire en anglais et tu fais... Oh, mais oui, bien sûr, c'est ça. C'est facile quand on s'en donne la peine, et si je vous le dis, c'est vrai, je suis archi nulle en anglais, et maintenant je tricote juste en anglais. Ben, c'est vrai, et justement, c'est bien que tu le dises, Joanne, on n'a pas besoin de parler parfaitement anglais pour tricoter en anglais. Il faut juste avoir quelques repères, et on va voir ça ensemble. Donc, comme je disais, en anglais, on peut avoir du coup... une seule lettre qui est utilisée, donc K pour knit et P pour purl. Et on va voir du coup, je vais vous prendre la caméra. On va prendre la petite caméra. Voilà. Donc du coup, on peut avoir du coup en fait en anglais des consignes comme K4 plutôt une étoile. K4, étoile, P2, K2, étoile, 2, last 4 stitches. Donc là, vous allez dire, oulalalala, ça y est, on commence dur. Et là, hop, K4, par exemple. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? K, on a vu... c'est knit, donc c'est tricote à l'endroit. P, c'est purl. Donc là, ici, to last four stitches, ça signifie to last, ça veut dire jusqu'aux quatre dernières mailles. Donc to last four stitches, donc jusqu'aux quatre dernières mailles. Maille. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les termes, hein. Il faut juste connaître quelques termes. Donc,
Et là, du coup, en français, ça nous donne quoi, en fait? Tout ça, ça donne en français... En version française. Ok, il est beau, le petit drapeau. En version française, ça donne donc 4 mailles en droit. Donc, knit 4. Petite étoile, 2 mailles en vert. 2 mailles en vert. Donc, purl 2. 2 mailles en droit, donc K2, le fameux K2 qu'on voit ici, là. 2 mailles en droit. Vous voyez déjà comme je suis obligée d'aller d'écrire loin, là, et je suis obligée déjà de serrer, sinon je vais dépasser. Petite étoile, jusqu'au... Je pense que je vais devoir aller au bout de la ligne. Hein. Jusqu'aux 4 dernières mailles... Ta-da-da-da. Et voilà, plus de place. Jusqu'aux 4 dernières mailles, puis terminer. Dis donc, j'ai une aile. Ça va là? Terminer par 4 mailles. Ah! Endroit. Non mais vous voyez la quantité de texte que j'ai dû faire pour cette phrase-là? Alors, bonjour Janelle du Québec, bonjour José, bonjour Cindy. Carole, un seul code en anglais, c'est plus simple que plusieurs codes inventés par les créatrices françaises. Certaines sont quand même sympas et faciles à retenir. Je pense au code de Camille Delahaye. Merci, Carole. C'est vrai qu'il y a des... On est obligé, en fait, en français, il n'y a pas vraiment de codification, alors qu'en anglais, ils se sont tous mis d'accord sur une codification. Alors, la petite étoile, on me demande qu'est-ce que c'est. Ça signifie, en fait, que tu vas devoir répéter cette section-là. Voilà, tu vas devoir répéter cette section-là jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles. Voilà, c'est tout. C'est une partie à reproduire. C'est une section à répéter, en fait. Ok, donc ça, c'est... Clairement, on le voit, l'anglais est bien plus efficace en termes de longueur. C'est pour cela qu'il prend moins de place, forcément. Autre élément, donc ça c'est les petites annotations de base, mais il y a quelque chose d'autre auquel il faut faire attention. C'est quoi? C'est les unités de mesure. Attention, on n'a pas les mêmes unités de mesure. Les unités de mesure anglo-saxonnes, il faut savoir, elles ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les mètres, nos mètres à nous, donc les mètres en France... On va dire en France, en francophonie, on va dire. Voilà, les mètres en France. Eh bien, chez nos amis britanniques et américains... Comment je vais faire, moi, le drapeau britannique? J'ai voulu partir sur des dessins, mais ça va être chaud de night. Hein. Ok, on va faire un truc comme ça, à peu près. Vous n'allez pas trop m'en vouloir, hein, ça ressemblera pas trop au drapeau britannique, mais vous m'en voudrez pas. Alors, voilà. Bon, c'est pas tout à fait le drapeau britannique, mais ça y ressemble un petit peu. Ok, et donc eux, en fait, ils ont pas des mètres, ils ont ce qu'on appelle des yards. Les centimètres chez nous, ils ont pas des centimètres, eux, ils ont des inches. Des pouces. Des pouces. Et les grammes, chez nous. Pourquoi je parle de grammes? Parce qu'on retrouve les grammes pour désigner des quantités de laine également. Et les grammes, on retrouve ça comment? En Angleterre ou chez nos amis américains. On retrouve ça sous la forme de ounces. Donc des onces. Oups, j'ai oublié le U. Ounces. Et ce sont les onces. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais yard, c'est des verges. Euh,
Ok, donc ça j'ai mis en plus entre parenthèses, ça c'est les traductions en français, mais en anglais c'est yards, inches et ounces. Donc, les équivalences. Parce que oui, il y a des équivalences, mesdames et messieurs. Vous vous en doutez. Donc, les équivalences. Il faut savoir qu'il existe en fait des équivalences assez indispensables, on va dire, à connaître pour s'y retrouver. Il faut savoir que 1 yard, donc 1 yard en anglais, ça équivaut à... j'ai failli me tromper. J'allais dire 91 cm, mais c'est pas ça. 1 yard, que je ne me trompe pas, que je ne dise pas des bêtises. 1 yard, c'est... si, c'est ça, c'est 0,914 mètres. Donc c'est pas tout à fait un mètre. C'est pas tout à fait un mètre. Donc c'est 0,14 mètres. Les centimètres. Les centimètres, il faut savoir que en français, on va retrouver souvent les échantillons à 10 centimètres. Et bien chez eux, chez les Anglais, voilà, donc on retrouve nos échantillons à 10 cm. Et bien, chez les Britanniques ou chez les Américains, ce ne sont pas des centimètres. Et ce n'est pas 10 cm, c'est 4 inches. Donc, quand vous trouvez, par exemple, un modèle en anglais qui dit qu'il faut un échantillon de 4 pouces, donc de 4 inches, ça veut dire, en fait, si vous faites l'adaptation en français, ça correspond à un échantillon de 10 cm. Ah, en plus, on a les Québécois qui nous viennent en aide avec des super mémotechniques. Non, merci les Québécois. Alors, on a Alice qui nous dit 3 pieds. À vérifier, mais je te crois. Alice, 3 pieds égale 12 pouces égale une verge égale 1 yard. Ça, c'est pratique, ça. Donc, 3 pieds, c'est 3 foot. C'est ensuite 12 inches égale 1 yard pour le reste. Donc tout ça égale la même quantité. Donc bravo et merci les Québécois d'être venus à la rescousse. Ensuite, en grammes. Donc qu'est-ce qu'on trouve en grammes? Donc pour nos... chez eux, donc chez les Britanniques slash Américains. 1 ounce, donc une once. Une once, c'est égal à 28,34 grammes. Donc voilà, donc faites bien attention à ces chiffres-là. Ça peut vous servir. Ça peut vous servir. Trois pieds, c'est 36 pouces. Alors, je vais corriger. Si vous n'êtes pas d'accord entre vous, par contre, ça va pas le faire. Donc 3 pieds égale 36 pouces. Ok, merci. 12 pouces égale 1 pied. C'est 12 pouces égale 1 pied. Ok, donc c'est, je vais le mettre comme ça. T'inquiète pas Alice, il n'y a pas de souci. On va le mettre comme ça. Pas de panique, hein. C'est pas grave, tout le monde se trompe. Hein. En plus, surtout les unités de mesure comme ça. Donc on va mettre quelques mesures de nos, que donnent les Québécois. Donc 3 pieds égale 36 pouces. Et qu'est-ce qu'on me dit aussi? 12 pouces égale 1 pied. Merci. Ça, je ne l'avais pas prévu, mais merci si vous me donnez des, si vous donnez des chiffres en plus, ça peut aider. Ok. Donc ça, c'est pour les équivalences à connaître pour vous y retrouver quand vous tricotez. Donc je répète, une que vous verrez beaucoup, c'est celle-là. Parce que celle-là, vous la retrouverez dans les échantillons. Donc ça sera pour tout ce qui est échantillon.
Donc 4 inches, 4 pouces égale 10 cm. Ok. On va continuer. Eh bien, on va continuer avec notre vocabulaire et on va partir avec sur un petit peu de vocabulaire au départ. Un petit peu de vocabulaire de base, on va dire. Intéressant. Ouais. On va partir sur un petit peu de vocabulaire de base, du coup, comme je disais. Donc, on va partir sur des abréviations pour commencer. Alors, les abréviations. On va voir ensemble les abréviations les plus utilisées. Les abréviations les plus utilisées, on a beaucoup à voir. Donc, à vos carnets. À vos carnets, ça va y aller. Alors, je note abréviation. Il n'y a qu'un seul B à abréviation, oui. Et je fais tout le temps cette faute d'orthographe. Alors, ok. Du coup, j'arrive pas à lire ce qui est écrit, dit Annabelle. Ne t'inquiète pas, Annabelle, je mettrai de toute façon le document, les notes que j'ai prises, je les mettrai dans le commentaire épinglé à la fin de la radio. Ok, donc on va partir sur les abréviations les plus utilisées. Donc attention à vos carnets, c'est TIPAR, comme on dit. C'est TIPAR, c'est parti. Alors, oui, tableau blanc. Normalement, vous avez le tableau blanc. Ok, donc pour commencer, on va voir la première que je les ai à peu près calées, à peu près rangées par ordre alphabétique. Donc on va voir la première, une des plus importantes, BO. BO, ça signifie bind off en anglais et ça signifie rabattre les mailles. Tout simplement. Donc BO, c'est une abréviation pour signifier bind off, qui signifie rabattre les mailles. Oui, mais c'est pour ça, Marie-Thérèse, que je fais la faute, parce que vu que j'écris en anglais et en français, eh bien, je fais parfois la faute entre les deux. C'est pour ça, je fais l'erreur. Ok, donc ça, c'est pour la première. Bind off, ça signifie rabattre les mailles. Ensuite, on trouve, celle-là, on en a parlé dans un live tricot du mercredi, c'est CN. CN, ça signifie cable needle. Oups. Cable needle. Et ça signifie aiguille auxiliaire. Donc, c'est l'aiguille que vous utilisez, en fait, pour faire vos torsades. Aiguille auxiliaire. J'essaie de m'appliquer pour l'écriture. En sachant, en plus, que mon écriture, normalement, c'est pas du tout celle-là. Normalement, mon écriture, c'est comme ça. J'écris en italique, donc je me force à écrire droit parce que je sais qu'il y en a qui trouvent que l'écriture est moins lisible quand j'écris comme ça. Donc par exemple, j'écris plus comme ça, mais je comprends que ça soit moins visible avec un côté italique. Donc du coup, j'essaie de me forcer à écrire droit. Ensuite, on a CO qui signifie littéralement « cast on ». Ça, vous l'avez dû entendre. Caston, on l'utilise aussi en français, on dit par exemple castonner. Caston, ça signifie monter les mailles. Monter les mailles. Donc c'est quand vous commencez un tricot. Ensuite, on trouve DEC. Donc DEC. Ah, tu es une écriture de médecin en plus. C'est mon côté scientifique qui ressort, c'est pour ça. Donc oui, j'ai beaucoup, en fait, j'écris tout le temps en italique, mais c'est mon écriture de base, mais j'essaie de me forcer à écrire droit.
Alors, dick, ça signifie decrease. Donc, vous remarquez qu'on ne dit pas decrease, mais decrease. Decrease. Et ça, ça signifie en fait diminuer. Diminue. Flûte. Diminuer. L'émail. Donc, c'est pour tout ce qui va être les diminutions, tout ce qui sera en rapport avec les diminutions. Ensuite, on a DPN. Ça, vous devez le connaître peut-être aussi. Et ça signifie Double Pointed Needle. Double Pointed Needle. Donc, needle, de manière générale, c'est aiguille. Et en fait, ça, c'est tout simplement une aiguille double pointe. Donc, ça correspond à nos aiguilles double pointe. Aiguille double pointe. Voilà. Ok. Ensuite, on retrouve, là je vais vous mettre, je vais pas mettre que des abréviations, je vais aussi vous mettre un petit peu de vocabulaire général. Et parfois dans les modèles anglais, on va retrouver from, donc from, petite étoile souvent, to, petite étoile. Et ça, ça signifie en fait, par exemple, on va trouver net from, petite étoile, to, petite étoile. Et ça, ça signifie tout simplement tricoter de 1-1-1 à 1-1-1. Donc, par exemple, lorsqu'on va avoir une section, je vais mettre un petit exemple ici. Donc, par exemple, knit from knit from petite étoile to petite étoile. Donc là, ça va être du coup la traduction tricoter à l'endroit de petite étoile à petite étoile. Tu prononces très bien en anglais, excellent. Ah oui, j'ai fait beaucoup de prononciation en anglais, j'ai fait des heures de prononciation en anglais, donc heureusement que ça m'a servi. quand je faisais ma fac pour être, du coup, à la base, interprète en langue des signes, je faisais aussi, en double, je faisais aussi un travail pour être traductrice en anglais. Et ce qui fait que pendant des heures et 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 des heures, j'ai dû répéter les mêmes termes. Donc par exemple, scuba diving, encore et encore et encore et encore, jusqu'à avoir la prononciation parfaite de scuba diving. Et c'est vrai que du coup, ça m'a un petit peu marqué sur certains mots, comme scuba diving, et d'autres termes comme ça, où je devais répéter encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à plus soif. Mais ça m'a bien servi. Alors, ensuite, on trouve ink. Donc là, je fais exprès de dire ink comme on prononce le terme encre, mais ça signifie increase. C'est l'abréviation pour signifier increase. Donc increase, c'est augmenter. Augmenter. Voilà. Excuse-moi, mais j'ai pu voir dans certaines vidéos pas françaises que les mailles sont montées avec les deux aiguilles l'une sur l'autre. Pourquoi ? Alors Annabelle, c'est tout simplement pour pas tricoter trop serré, en fait. C'est pour pas monter les mailles trop serrées. Le fait de monter les mailles sur deux aiguilles l'une sur l'autre, ça permet d'avoir une marge supplémentaire pour pouvoir tricoter tes mailles et ne pas avoir un montage qui est trop serré, tout simplement. Ok. Donc, ça, c'est pour increase. Ensuite, on a vu, je vais le mettre, on l'a déjà vu, mais pour rappel, on a vu le petit k qui signifie knit, qui signifie tricoter. Ok, j'arrive au bout de ma feuille, on va changer de feuille. On va mettre un petit 1. Et voilà, donc nouvelle feuille. Petit 2.
mais c'est pas trop lâche. Moi, je trouve que c'est trop lâche, mais en fait, ça dépend. C'est vraiment pour les personnes qui tricotent vraiment très très serré, ça peut aider. Pour un point particulier, je le fais seulement, Annabelle, c'est faux, je le fais pour un seul point en particulier, c'est le point de vannerie. C'est un point qui est tellement dense et qui se resserre tellement, même si tu tricotes lâche, que c'est vraiment indispensable de monter tes premières mailles de façon extrêmement lâche. Et c'est le seul point sur lequel je le fais. Donc je monte les mailles avec deux aiguilles l'une sur l'autre uniquement pour le point de vannerie et c'est tout. Ok, donc on s'était arrêté à net. On va continuer avec, ça vous devez le connaître aussi, K de TOG. Donc littéralement, vous allez dire, oh là là là, ça y est, on rentre dans les trucs un peu complexes là. On n'a pas fini, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, donc là littéralement, qu'est-ce que c'est? C'est knit two together. Knit two together. Ok, donc knit two together. Donc là, c'est littéralement tricoter deux mailles ensemble, en fait. Donc, knit two, tricoter deux ensemble. Tricoter deux mailles ensemble. Voilà. Ok. Ensuite, on a KFB. Donc ça aussi, vous devez le connaître, KFB. En tout cas, je l'utilise moi-même assez régulièrement. KFB, ça signifie tout simplement Knit Front Back. Donc qu'est-ce que c'est Knit Front Back? Donc ça, en anglais, ça signifie ça. Knit Front Back. Ça signifie... Oui, deux mailles ensemble à l'endroit. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais à l'endroit. À l'endroit. Oui, parce que c'est, bien sûr, vous pourrez trouver P de TOG. P de TOG, c'est Purl Two Together. Donc, Knit Front Back. Knit Front Back, c'est tout simplement une augmentation barrée. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers mes vidéos pour voir ce que c'est. Une augmentation barrée. C'est-à-dire que vous tricotez la maille une première fois par le brin avant et une seconde fois par le brin arrière. Donc là, je ne vais pas l'écrire parce que ça va faire quelque chose de méga long, mais une augmentation barrée. Allez, allez, je l'écris. Allez, je me chauffe, je l'écris. Une augmentation barrée égale tricoter. Ah, voilà, les vieilles habitudes qui reviennent. Tricoter la maille. Une fois dans le brin avant, puis une deuxième fois. Vous avez vu la quantité de texte que ça me fait écrire par rapport à Knit Front Back, puis une deuxième fois dans le brin arrière. Voilà. Ok. Donc, Knit Front Back. Ensuite, on a l'autre, c'est KTBL. Donc, KTBL ou PTBL. Donc, KTBL ou PTBL. Oh là là, Jaenel, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? C'est rien. Ça signifie tout simplement knit through the backloop ou pull through the backloop. Knit through the backloop. Donc through en anglais T H R O U G H T. Noter. Pas de T. Through T H R O U G H. Signifie donc the back loop, donc soit knit soit purl, donc knit through the back loop ou purl through the back loop. Ça signifie tout simplement
tricoter à l'endroit ou à l'envers dans le brin arrière. Et oui, tout simplement. Donc c'est tout simplement l'abréviation nécessaire pour faire des mailles torses. Des mailles torses endroit ou des mailles torses envers. Donc mailles torses endroit ou envers. Ok. Ensuite, on a K-wise. K-wise, ça signifie, ça c'est l'abréviation, et ça signifie netwise. Et netwise, ça signifie en fait placer la maille comme pour la tricoter à l'endroit. Placer la maille comme pour la tricoter à l'endroit. En fait, là, avec le vocabulaire que je suis en train de vous donner, ça sera tout à fait possible de pouvoir commencer à tricoter et en tout cas à dépiauter un petit peu votre modèle de tricot en anglais. Le but, c'est pas de toute façon de lire tout d'une traite et de comprendre tout. Le but, c'est vraiment d'avoir quelques mots de base, comprendre à peu près et après avancer comme ça. Le but, c'est pas de comprendre, comme je disais, tous les termes, c'est pas de faire une traduction parfaite, c'est vraiment d'avoir quelques termes auxquels on peut se référer. Ensuite, on a M1L. Donc, qu'est-ce que c'est M1L ? Ça signifie make one left. Donc, make one left, c'est tout simplement une augmentation inclinée à gauche. Augmentation inclinée à gauche. Ok. Alors on continue. Ça va, j'ai perdu personne. On fait une, si vous voulez, on fait une mini pause. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, vous n'êtes pas perdu pour l'instant? Après, j'ai envie de dire, les premiers modèles qui nous suivront relèveront de la méthode syllabique. On va se référer sans cesse à ces notes. Oui, c'est ça. Au début, tu vas surtout te référer à tes petites notes, etc. Mais après, ça sera très fluide. Moi, je n'ai pas de notion en anglais. Mais t'inquiète pas, Karine, hein, t'en as pas besoin. Hein. Non, c'est super intéressant, j'adore, tout va bien. Augmenter à gauche, oui, c'est en fait une augmentation inclinée à gauche, tout simplement. Tout va bien, le carnet se remplit. Comment on écrit le fait de tricoter en jersey? Alors, justement, on va le voir. En fait, vu que je fais je sais pas si vous avez vu, mais vu que je fais avec en ordre alphabétique, donc là, on est parti de A, on est arrivé à M, et on va aller jusqu'à W. Yes, augmentation inclinée, c'est une augmentation intercalaire. C'est vrai que j'aurais pu l'écrire comme ça aussi. Augmentation intercalaire à gauche. On va repasser sur le tableau blanc. On va repartir. Donc allez, c'est reparti. Donc augmentation intercalaire intercalaire à gauche. Voilà. Ok. Donc là, je vais passer à l'autre feuille. Vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, je vous ai dit, je vous mettrai les documents dans le commentaire épinglé. Donc, si vous n'avez pas le temps de noter, c'est pas grave. Je vous mettrai tout ça dans le commentaire épinglé. Ok. Donc, petit 3. On s'était arrêté à notre augmentation intercalaire à gauche. On va continuer avec son pendant M1R qui signifie littéralement make one right. Make one right. Et qui signifie du coup augmentation intercalaire à droite. Pencher à droite. Augmentation intercalaire. Intercalaire à droite. Ok. Ensuite,
Là, c'est des éléments qu'on va plus trouver en jacquard. Vous allez trouver l'abréviation MC. Et MC, ça signifie main color. Main color, c'est la couleur principale. Donc la couleur principale, c'est la couleur qui correspond à 90% de votre tricot. En parallèle de la main color, vous allez avoir la CC, donc la contrasting color. Donc la couleur contrastante. Donc ça, c'est utile pour les tricots en jacquard ou les tricots avec plusieurs couleurs. Si vous faites des rayures, par exemple. Contrastante. Techniquement, je vois pas comment ça se fait, cet intercalaire, mais si je dois savoir le faire, beaucoup de lacunes dans le savoir technique. Anne, je te renvoie vers ma vidéo sur les augmentations. Je montre comment le faire en vidéo. Première visite, mais très intéressant. Merci beaucoup, dit Corinne. Bah, tant mieux. D'habitude, je tricote, mais là, je suis concentrée. Elle est comme ça, en fait, Stéphanie. Je suis allée à fond. Il faudra que je cherche, car je vois pas comment c'est fait. Super, il y a Sista qui a Sand qui a mis le lien dans le chat. Donc, si vous voulez, il y a le lien dans le chat qui a été mis par Sand. Alors, pourquoi, pour augmentation intercalaire, ils n'écrivent pas du coup « increase made one left » ? Ils n'utilisent pas le increase à ce moment-là. Alors là, non, parce qu'en fait, ça va être... En fait, le increase, ça va être plus pour les augmentations de manière générale. Et en fait, le make one left, ça va avoir vraiment cette pensée de augmentation intercalaire. Tout simplement. Après, c'est vrai que j'ai déjà vu, c'est rare, c'est très très rare, mais on a tendance parfois à avoir increase left ou increase right. Donc augmenter à gauche, augmenter à droite. C'est très rare, hein. Ça m'est arrivé une ou deux fois de le voir. Généralement, on trouve plus du M1R ou du M1L. Ok. Ensuite, on va trouver l'abréviation PAT. Donc PAT, c'est pas une patte de chat, c'est pattern. Et pattern, vous savez ce que c'est? C'est motif ou modèle. Oups. Motif ou modèle. Donc par exemple, on vous dira follow this pattern, par exemple. Suivez ce modèle ou suivez ce motif. Ensuite, on va avoir, on l'a déjà vu, le fameux petit P. Le petit P qui signifie pull, qui signifie tricoter à l'envers. Donc là, je ne vais pas m'étendre dessus, on l'a déjà vu. Tricoter à l'envers. Ensuite, on a le fameux, on l'a vu avec knit to tug. Là, on va faire pull to tug. Et c'est pull to together. Pull two together. Et ça signifie tricoter deux mailles ensemble. Deux mailles ensemble à l'envers. Il faut que je change la pointe du stylo qui couine un petit peu. Ok. Est-ce que tu as sélectionné des modèles faciles à faire en anglais? On va en parler, Corinne. M1R, passer l'aiguille de l'arrière vers l'avant et tricoter le brin avant. M1L, inversé. Merci, Cise. C'est simple, facile, concis. Merci. Pattern, c'est pas un patron comme un couture? Si, si, c'est pour ça que j'ai écrit motif ou modèle ou patron. Ça a le même sens, hein, en fait. C'est des synonymes. Hein. Motif, modèle, patron. On va y arriver à WS et YO. Je vois qu'il y en a qui ont envie d'aller plus vite que la musique, c'est cool. Donc ensuite, on a PM.
Alors, en anglais, PM, ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier Prime Minister, qui signifie Premier ministre. Mais là, étant donné qu'on est en anglais, ça ne signifie pas Prime Minister, ça ne signifie pas Premier ministre, ça signifie tout simplement Place Marker. Donc, tout simplement, placer un marqueur. Place Marker. Donc, placer un marqueur. Un marqueur, un anneau marqueur de maille, ce que vous voulez. Un marqueur. Ensuite, on a PU. PU, ça signifie littéralement, donc PU, ça signifie littéralement pick-up. Donc, c'est pas le camion. C'est pas le camion, le pick-up. Ça signifie tout simplement relever les mailles. Donc, par exemple, vous allez avoir pick-up stitches. Relever des mailles. Donc, dans un modèle, vous allez avoir ce genre d'infos quand vous devez faire une encolure, par exemple. PM, post-meridian. En effet, ça signifie aussi post-meridian. Ensuite, on l'a vu avec netwise. Et là, on va voir P-wise, qui signifie, donc là c'est une, vous le remarquez, le P de Pearl, wise, qui signifie du coup placé dans le sens de, donc littéralement Pearl wise, qui signifie du coup placer la maille comme pour la tricoter. Est-ce que j'aurai cette place? Oui, à l'envers. Ok. Super. Ensuite, on trouve RND. RND, ça signifie round. Oups, j'ai oublié un U. Round. Ou rounds, avec un S. Donc, round ou rounds, ça signifie tour. Il y en a aussi qui l'utilisent pour signifier les rangs. Mais généralement, pour rang, on trouvera plus rows. Donc, pour les rangs, on va trouver ça plus sous cette forme-là, RWS. Et ça signifie rows. Et rows, c'est les rangs. Les rangs de tricot. Knit 3 rows ou knit 5 rounds. Ça, ce sont donc 5 tours. Tricoter 5 tours. Knit 3 rows. Tricoter 3 rangs. Ok, on continue. À fou. Je passe à la page suivante. C'est parti, page numéro 4. On envoie. On trouve ensuite RS. Alors, on me dit que ça coupe, mais chez moi, tout va bien. Il n'y a pas de coupure. Enfin, on ne me signale pas de coupure. Donc, si vous avez des coupures, baissez la qualité de l'image. RS, ça signifie right side. En anglais, souvent, on va vous dire... Vous allez avoir des... Par exemple, lorsque vous avez un motif, on va vous dire... Begin on right side ou begin on wrong side. RS, du coup, right side, c'est l'endroit de l'ouvrage. Ça signifie en fait l'endroit qui sera vu, en gros. Endroit de l'ouvrage. Donc littéralement, c'est le bon endroit. Mais comme on ne dit pas le bon endroit, c'est en fait l'endroit du tricot qui sera destiné à être vu. Donc, right side pour l'endroit du tricot. Ensuite, on a SL. Et SL, ça signifie slip. Slip, c'est tout simplement glisser. Par exemple, on va dire slip stitches. Slip three stitches on cable needle.
Ouh, celle-là, elle est forte. Donc, par exemple, snit 3 stitches on cable needle, ça signifie par exemple glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Donc, on l'a vu, CN pour aiguille auxiliaire. Ensuite, on trouve aussi SM. Ah, ne dites pas des bêtises, hein. On ne fait pas des cochonneries ici. Non, non, on ne fait pas des cochonneries. C'est tout simplement pour dire slip marker. Sleep marker, non, non, ce n'est pas non plus pour dormir, parce que, ah, d'ailleurs, petite prononciation, pour faire la différence entre sleep, glisser, et sleep, dormir, où est-ce qu'elle est la différence? Ben, c'est tout simplement qu'il y a plus de i, entre guillemets, quand vous dites aller dormir, donc sleep. Donc quand vous voulez dire aller dormir, sleep, c'est différent de sleep, qui est quelque chose de plus rapide. Donc on a un i, on appelle ça le i court et le i long en anglais. Bref, fin de la parenthèse de prononciation anglaise. Je vous ai dit que ça m'a traumatisée. Je blague, je dis que ça m'a traumatisée, mais en fait, ça m'a beaucoup aidée. Alors, l'envers, on le dit comment? On va le voir, t'inquiète pas Claudine. La différence avec soud, je pense qu'il y a un petit souci de correcteur orthographique parce que je pense pas que tu aies voulu écrire soud. Donc en effet, Karine, bien vu. Slip marker, ça signifie glisser le marqueur. Donc on a vu PM, place marker, et là c'est slip marker, donc glisser le marqueur. Ensuite, on a le fameux SSK. El famoso SSK. Donc, lui, qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est tout simplement slip. Slip. Net. Et non pas dormir, dormir, tricot. On fait pas ça ici. Donc, c'est pas dormir, dormir, tricot. C'est glisse, glisse, tricote. Donc, en fait, c'est l'équivalent anglais du fameux GGT. Donc, glisse. Donc, glisse une maille et tricote les deux mailles ensemble. Tricote les deux mailles ensemble. Donc, je mets G, G, T. Annabelle, t'inquiète pas, c'est normal que le chat apparaisse pas. Tu vois, regarde. Je vois qu'on s'inquiète du chat, il est là. En fait, c'est juste quand je suis en tableau blanc, on ne le voit plus, parce que sinon, ça cache trop de tableau blanc et ça ne me permet pas d'écrire jusqu'au bout. Donc, pas de panique, vous inquiétez pas, tout va bien. Yes, enfin une abréviation que je connais. Glisser sur l'aiguille de droite les deux mailles. Oui, c'est ça. En fait, tu passes de ton aiguille gauche à l'aiguille droite deux mailles, tu les replaces sur ton aiguille gauche et tu les tricotes ensemble. C'est un peu complexe, mais c'est bon. Ok, ensuite, on me demandait tout à l'heure, mais Jaenel, comment qu'on dit le jersey? Eh bien, on dit ST, ST, donc ça c'est l'abréviation ST, ST, et ça signifie littéralement, donc c'est ça, c'est notre abréviation, et c'est Stockinette Stitch. Stockinette Stitch. Donc là, ça, c'est pour signifier le jersey. Ok. Ensuite, slip slide, ce sont deux choses différentes, ce sont deux termes différents. Ça va avoir, en fait, ça va avoir une très légère différence dans la, dans l'utilisation. On ne va pas utiliser slip comme on utilise slide. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans les particularités de la langue anglaise, il y en a trop. Donc, on va pas rentrer là-dedans. Donc, ensuite, l'autre abréviation, c'est ST, et ça, on l'a déjà vu, du coup, avec toutes les abréviations qu'on a pu voir, ça signifie stitches. Et stitches, ça signifie des mailles. Voilà, donc, c'est pas obligé qu'il y ait un S, hein. Donc ça dépend. Hop, voilà, on a mis des petites parenthèses.
Petite erreur sur le SSK. Alors, comment ça? Slip, slip. Ah, oui, il y a un petit K bizarre, là. Voilà. Voilà. Slip, slip, knit. Glisse, glisse et tricote les deux mailles ensemble. Voilà, nickel. Ensuite. Merci, c'est corrigé. Ensuite, on a le fameux TBL. Donc ça, on l'a déjà vu. On avait vu knit through back loop et on avait vu purl through back loop. Et TBL, du coup, vous l'avez compris, ça signifie through the back loop. Through the back loop. Donc par le brin arrière. Oups. Ça, c'est mon abréviation pour dire par. Par le brin arrière. Voilà. Ok. Ensuite, on a quoi? On a le fameux TOG. Donc là, on est en train de finir. TOG, on l'a vu, ça signifie together. Donc ensemble. Et enfin, on me demandait comment qu'on dit l'envers. Eh bien, on y arrive. On dit WS et ça signifie wrong side. Et ça signifie du coup l'envers. On va mettre envers de l'ouvrage. Envers de l'ouvrage. Voilà. Ouh. Ce fut intense. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est de l'ordre d'abréviation. En tout cas, les abréviations les plus utilisées que vous pourrez rencontrer dans le tricot. Seigneur, j'ai oublié yarn over. Merci. W. Hop. En effet, il manque yarn over. Donc yarn over, ça signifie, donc c'est YO, l'abréviation. Hop. Et ça signifie le jeter. C'est le terme pour dire jeter, tout simplement. Si vous voulez, là, on va faire un petit peu de vocabulaire plus général. On va faire un petit peu de vocabulaire plus général. Donc, par exemple, scarf, cardigan, button band, etc., etc., I'm all. Ou alors, on le fera une prochaine fois, je sais pas. Je vais te faire rire, mais moi, je traduisais sleep par dormir. Donc, je glissais ma maille sans la tricoter, donc je la laissais dormir. Oh, c'est pas bête. En vrai, c'est pas bête du tout. Interro dimanche prochain. Interro dimanche prochain. Alors, point mousse, Simone, ça se dit garter stitch. Garter stitch, G-A-R-T-E-R. Génial, je suis épuisée, je n'ai jamais appris autant de choses d'un coup, merci mille fois. Ben, avec plaisir. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quelqu'un m'a dit qu'il y a souvent des erreurs quand un patron anglais est traduit en français. On va dire que c'est plus... c'est possible en effet, parce qu'en fait, il y a tellement d'abréviations qu'il ne faut pas oublier, que en fait, lorsque tu traduis un modèle de l'anglais vers le français, c'est en effet possible qu'il y ait des problèmes à ce niveau-là, en fait. Voilà, c'est juste, par exemple, si on oublie une abréviation, par exemple, ben là, ça perd tout son sens. Donc oui, c'est possible. Non, encore, j'adore. Bon, ben alors, on fait une mini-pause, je prends le chat 2 minutes et on va repartir sur du vocabulaire plus facile, on va dire, plus général. Pas facile, mais plus général. On a vu le surgé en anglais. Est-ce qu'on a vu le surgé? Non, je crois pas qu'on l'ait vu. Non, je crois pas qu'on l'ait vu. Moi, je connais pas en anglais. Même en trouble, tu es jolie. Merci Annabelle, c'est gentil. Une vraie perle, merci beaucoup. Mais avec plaisir, je suis contente en tout cas que ça vous plaise. Oui, ça nous apprend en profondeur et ça aide à mémoriser le vocabulaire général qui va avec. Bah, tant mieux, écoutez. Je suis vraiment, c'est vraiment le but, hein, de toute façon. C'était de faire ça.
SSP, ça peut exister. C'est plus rare de le voir. Là, j'ai voulu vraiment faire comment dire, les plus connus, on va dire. Alors, pour point mousse, ils utilisent l'abréviation GS. Ils peuvent utiliser GS, mais ils peuvent aussi utiliser Gart.st. Gart.st, et là, tu sais que c'est Gart Stitch. Comment c'est écrit lorsqu'il faut mettre des mailles en attente? Ça va être un peu plus décrit, souvent. Ça va souvent être écrit comme Place stitches on yarn, par exemple. Souvent, ça va être écrit comme ça. J'écoute de nombreux tutos en anglais avec des personnes qui ne parlent pas trop vite. J'arrive à comprendre, mais avec tes vidéos, ça permet une bonne mise au point. Ben, c'est cool ça. Oui, le surjet, c'est escapé. Pardon, j'ai pas rebondi sur le surjet, mais le surjet, mais oui, c'est escapé. Slip knit passover. On peut même voir, même Sista, en effet, Sand, pardon, t'as raison, on le voit escapé, et on peut même le voir SKPO. SKPO pour slip knit passover. Comment on dit faire un échantillon? On dit make a swatch. Super ce moment, merci. Bah écoutez, avec plaisir, je suis contente. Et là, en fait, je vais vous dire, vous savez, on va bientôt avoir terminé notre cale diamant. Et en fait, je vais vous dire la petite surprise que j'aimerais vous préparer avec vous. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais Jaenel, les modèles qui sont présentés en anglais, je ne sais pas trop comment les faire, etc. Et en fait, ce que je voulais vous proposer, c'est que le prochain modèle de cale, il y soit en deux langues, il y soit en anglais et en français, donc en anglais pour celles et ceux qui souhaitent se lancer en anglais, et il y soit en français également pour celles qui souhaiteraient le faire en français. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous plairait qu'on ait un modèle, donc le prochain modèle de notre prochain cal communautaire, est-ce que ça vous intéresserait qu'on le fasse en anglais? Comme ça nous permettrait de bien parler, de voir un petit peu d'autres termes, et puis aussi de commencer. Oui, super idée. Chouette, le nouveau cal bilingue. Yes, of course. Oui, ça peut être bien sympa. Très bonne idée, je vais essayer de me lancer dans le cal. Yes. Cool. Bah écoutez, on fera ça. Du coup, pour le prochain cal. Et je pense que cette fois, je demanderai à une petite équipe de triconautes qui se porterait volontaire pour m'aider à relire le modèle afin qu'il y ait le moins d'erreurs possible dès le départ. Donc, si ça vous intéresse de faire partie de cette petite équipe de relectrices ou de relecteurs pour ce modèle, on verra. En tout cas, écrivez-moi, mais de toute façon, le cal, ça sera fin avril. Je pense qu'on le fera. Donc, vous inquiétez pas, on a encore un peu de temps. De toute façon, je pense que je passerai une petite annonce sur le Discord à ce moment-là, ça sera plus pratique. Vous y avez déjà pensé, bien sûr. Oui, on y avait déjà pensé, mais c'est pour ça, je pense que ça va être vraiment intéressant. Thank you, Janelle, very good subject. Merci, Sarah. Bon, bah écoutez, de toute façon, le modèle, comme d'habitude, dans lequel communautaire, on va le créer ensemble, ensuite on va le designer ensemble et puis après on va le créer ensemble, donc l'écrire ensemble. Quel est le modèle? Elisabeth, il n'est pas encore fait en fait. En fait, les cales communautaires, pour rappel, les cales communautaires, c'est tout simplement des modèles de tricot qu'on dessine ensemble durant la radio tricot, donc durant ces moments-là, et après on les design ensemble, donc avec les calculs, etc., le choix de la laine, et on part ensuite sur un cal communautaire pour pouvoir le créer tous et toutes ensemble. Bon, bah écoutez,
Je pense qu'on va aller tout doucement sur une fin de radio. Moi, j'ai passé un super bon moment et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Ça m'a fait plaisir de vous parler un petit peu en anglais et de vous parler du tricot en anglais, surtout des abréviations. Eh bien, écoutez, je pense que je vais vous laisser. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, surtout. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, le mercredi, bien sûr, pour le Cal Diamant, pour tricoter en direct durant une heure sur Instagram. Et après, on se retrouve donc aussi dimanche prochain, même jour, même heure, pour une autre radio tricot. À dimanche prochain, du coup, pour celles et ceux qui pourront pas voir mercredi. Plein de bisous, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!